Bonsoir. Bonsoir. Normalement, vous devez vous annoncer à mon assistante. Mais elle est partie. D'accord. Écoutez, c'est pas grave. On va faire une séance, mais du coup, on fera peut-être juste trois quarts d'heure parce qu'il est un peu tard. Et puis la semaine prochaine, on fera une séance complète. Alors, je vous écoute. Vous avez déjà été amoureuse, docteur? Et vous, vous avez déjà été amoureux? Oui. Je suis encore né. Une fille extraordinaire, elle. Elle était tout ce qu'il me fallait, tout ce dont j'avais besoin, et du jour au lendemain, elle n'a plus voulu me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je pensais que tout allait bien, je l'ai demandé en mariage. Là, elle m'a dit qu'on lui avait dit qu'il valait mieux qu'elle me voie plus. C'était mieux comme ça. Elle vous a pas donné d'autres raisons. Elle a dit que j'étais dangereux. Franchement, vous trouvez que j'ai l'air dangereux? Non. Vous avez l'air malheureux, pas dangereux. Je suis malheureux. Je pensais que tout allait bien. Vous avez essayé de l'appeler pour en savoir plus, vous avez discuté avec elle. Je peux pas. Elle veut plus me voir. Elle répond plus à mes appels. Elle se raccroche à ce qu'on lui a dit. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit exactement? Qu'il valait mieux pour elle qu'elle soit loin de moi. Qu'elle arrête de me voir complètement. Que vous en pensez, vous... Elle répond aucun de mes appels, elle veut plus entendre parler de moi du tout, vous comprenez? On lui a dit que c'était mieux comme ça, alors moi je lui dis, mais c'est qui t'a dit ça, putain? Et là, elle me l'a dit. Vous connaissez une Anna Scott, docteur? Parce qu'elle vous connaît très bien. Je suis soumise au secret professionnel, donc je ne peux pas vous répondre. Je comprends pas votre métier. Je n'arrive pas à saisir. Vous recevez des gens ici, sur votre canapé, vous leur dites ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire, qui est-ce qu'ils doivent voir, qui est-ce qu'ils doivent plus voir. Vous leur donnez des médocs et après ils repartent, ils sont contents. C'est ça votre journée? Vous êtes fiers de vous quand vous rentrez le soir? Vous croyez que les gens ils sont plus heureux après? On aurait pu se rencontrer avant. Pour que vous arriviez à me connaître, pour que vous voyiez que je suis quelqu'un de gentil.
vous auriez pu, je sais pas, m'envoyer chez un confrère ou j'en sais rien. On aurait pu faire plein de choses, il y avait plein de solutions. Écoutez-moi, moi je ne peux pas m'occuper de vous, mais je connais des confrères qui sont avisés, qui pourraient le faire. Je comprends. Vous pouvez pas m'aider. Si, je peux vous aider. Non. Personne ne peut plus m'aider là. Il ne veut plus me voir, c'est terminé. C'est terminé, je ne veux plus.